son peuple haut. Il n'y avait pas des dieux. Nous sommes devant le trône de Dieu. Alléluia. Amen.
Mais muto avant à koma na trône nzambe sengela kufa. Avant qu'une personne arrive au trône de Dieu, il devrait mourir. Tu ne peux pas arriver au trône de Dieu si tu n'es pas encore mort. Alléluia. Amen. Jésus-Christ quand Jésus-Christ est venu, il devait faire sa mission de mourir et de retourner au trône. Et nous aussi, pour voir le trône de Dieu, nous devons mourir. Alléluia. Amen. Mais lelo na lingina lobela kufa. Aujourd'hui, je voudrais parler de la mort. Oyo batu mingi bazoe bate kufa ezani. Que beaucoup de personnes ne savent pas quelle est cette mort. Mutu nyoso tozana na kati na lisumu azamu kufi. Une personne qui vit dans le péché est un mort. Malgré azotambola. Malgré qu'il marche. Alléluia. Amen. Pourquoi na trône nzambe senge na yo kufa? Et pour arriver au trône de Dieu, tu devrais mourir. Une personne dira, mais comment mourir? Mais je vais t'expliquer. Bien-aimé, tu vois la vie qu'on a. La Bible nous dit, il nous est réservé qu'une seule fois de mourir. Mais si maintenant cet immeuble s'effondre, pose-toi la question, est-ce que tu verras le trône de Dieu? Alléluia. Amen. Est-ce que tu verras Dieu? Parce que nous venons devant Dieu. Mais en nous, nous ne sommes pas morts. Mais nous avons deux choses. Voir le trône de Dieu. Nous devons mourir et avoir l'Esprit de Dieu en nous. Amen. Amen. Bien-aimé, si tu n'es pas encore mort, tu ne verras pas le royaume des cieux. Amen. Amen. L'évangéliste a prêché ici, il a dit, quand nous recevons le baptême, quelles sont les paroles que nous disons? Nous mourons en Jésus et tu ressuscites en Jésus. Est-ce que c'est ça? Mais toi, tu as reçu ce baptême, est-ce que tu es mort? Alléluia. Amen. Depuis que tu as reçu le baptême, est-ce que tu es mort? Mais je vais expliquer à une personne pour qu'elle comprenne si elle est morte ou non. C'est-à-dire, la réponse, c'est toi-même qui la recevras. La personne dont on parle qui est morte, c'est la personne qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme son sauveur. Et cette personne est loin du péché. C'est la personne qui est mort. Alléluia. Amen. La personne qui est mort. Cela veut dire qu'en elle, il n'y a pas de péché. Amen. Amen. Est-ce que nous comprenons? Bien-aimé, si tu n'es pas encore mort devant le péché, tu fais péché. Parce que tu as un corps de chair. Mais tu devrais mourir pour voir le trône de Dieu. Amen. Amen. Nous voyons dans nos vies beaucoup de choses ne fonctionnent pas. C'est parce que nous ne sommes pas encore morts. Et nous marchons, nous ne savons pas que la mort aussi arrive. Bien-aimé, je voudrais te dire, le corps que tu as ne lui donne pas ce qu'il veut. Parce qu'il va te faire manquer de voir le trône de Dieu. Alléluia. Amen. Alors pour ne pas donner ce que ton cœur demande, tu devrais mourir. Alléluia. Amen. Ce corps t'amènera à des points difficiles. T'amènera des vies impossibles. Et tu vas te demander comment j'ai fait pour arriver ici. Comment je suis arrivé là? C'est parce que tu as agi par la chair. Voilà pourquoi la personne devrait mourir. Alléluia. Amen. Et si tu n'es pas encore mort, bien-aimé, tu vas pleurer
pleurer tous les jours. Et le trône de Dieu sera loin de toi. Quand nous parlons du trône de Dieu, nous sommes devant le trône de Dieu chaque jour dans nos vies. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que nous sommes ici. Parce que si la mort te prend, tu devrais voir le trône de Dieu. Mais est-ce que toi tu as l'esprit de Dieu en toi pour voir le trône de Dieu? Est-ce que tu es déjà mort pour voir le trône de Dieu? Alléluia. Amen. Bien aimé, pose-toi la question, si tu meurs tout de suite, est-ce que tu verras le trône de Dieu? La personne qui est morte, c'est celle qui est loin du péché. Alléluia. Amen. Est-ce que la personne qui est morte et qui voit quelque chose à voler, elle va voler? Elle ne verra, elle ne le volera pas parce qu'elle ne voit pas, elle est morte. Est-ce qu'une personne qui est morte devant l'impudicité, est-ce qu'elle fera l'impudicité? Elle ne le fera pas parce que son corps est mort. Et si elle le fait, c'est parce que sa chair est fonctionne encore. Et cette personne, c'est difficile pour qu'elle voie le trône de Dieu. Alléluia. Amen. Message à Yasuka. Le dernier message, c'est que Dieu nous dit qu'il revient. Mais est-ce que tu es déjà mort? Alléluia. Amen. Vois-même l'entourage, même dans ton entourage, tu devrais mourir. Si tu meurs, tu sauras avoir la victoire. Même si les gens parlent contre toi. Même si les gens finissent avec toi. Même si les gens ne t'aiment pas. Tu devrais mourir. Parce que tu n'auras pas le temps de leur répondre. Est-ce qu'une personne qui est morte peut mourir? Elle n'a pas le temps de répondre. Mais je voudrais te dire, comme nous disons, ah, il a tué. Alléluia. Amen. Tu es allé tuer un ami. C'est-à-dire, reste comme tu es cadavre. Alléluia. Amen. Est-ce que tu étais resté déjà assis avec un cadavre? Cette personne que tu veux tuer, si elle meurt aujourd'hui, lobby. Demain, lobby okuna, le lendemain, trois jours, si seulement ça atteint trois jours, tu ne pourras pas résider à côté de cette personne. Moutouana. Tu vas fuir la personne. Mais je voudrais te dire une chose. Vie spirituelle pour être dans la vie à moutou, mais c'est un moutou à koufa. La vie spirituelle d'une personne doit commencer par la mort. Alléluia. Amen. Voir même Jésus-Christ, quand il est venu, il a dû mourir. Mais quand la personne meurt, c'est la séparation de l'âme. C'est-à-dire, le corps reste seul. Voilà pourquoi nous disons, ne donne pas à ton corps tout ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Il t'amènera des terrains difficiles dont tu n'arriveras pas à sortir. Amen. Amen. Des fois, ce corps, tu dois lui dire, s'il commence, dis-lui, tais-toi. N'essaye même pas. Alléluia. Amen. Des fois, ce corps, tu dois lui dire, stop. S'il veut faire quelque chose de mal, tu lui dis stop. Alléluia. Amen. Parce que c'est ce même corps qui va te faire pleurer. C'est lui aussi qui t'enverra. C'est lui aussi qui va te faire pleurer. Mais pendant qu'il t'envoie faire du mal, il te retire près du trône de Dieu. Amen. Amen. Alors, la personne qui devrait voir le trône de Dieu, elle doit avoir l'esprit de Dieu en elle. Voilà pourquoi tu vois, Dieu est le Dieu de tout le monde. Mais l'esprit de Dieu n'est pas en toute personne. Alléluia. Amen. Dieu est le notre Dieu. Et mon Dieu est ton Dieu. Tel qu'il m'aime, il t'aime aussi. Mais l'esprit de Dieu n'est pas en toute personne. Voilà pourquoi si une personne te dérange, demande-toi si elle a l'esprit de Dieu. Est-ce que tu peux répondre à cette personne? Est-ce que tu dois lui parler? Tu n'as pas le temps de lui répondre. Parce que tu es déjà mort.
La personne qui est morte a toujours la victoire. Alléluia. Amen. La personne qui est morte est toujours dans la victoire. Jésus-Christ a qui? Jésus-Christ a qui? Jésus-Christ est venu. Et pour vaincre, il a dû mourir. Voilà pourquoi il a pris cette victoire que nous avons aujourd'hui. Et si toi tu auras la victoire que tu demandes. Elle va te stopper dans beaucoup de mal. Tu ne vas pas voler. Tu ne vas pas envier. Tu n'auras pas du mal à ton frère. Parce que tu ne vas pas. Parce que tu es déjà mort. Alléluia. Amen. Parce que tu es déjà mort. Déjà mort. Alors, la personne qui est morte, c'est elle qui verra le mais trône si de Dieu. Commence à regarder ta vie. Ton corps te pousse à faire quoi? Ce corps est très mauvais. Je vous dis pour, de vrai, ce corps est très mauvais. Si seulement il commence, moi je lui dis arrête. Je ne te permettrai pas de faire ce que tu veux faire. Amen. Même si ce corps te dit, prends-le par l'oreille et dis-lui non. Prends l'autorité sur ton corps pour être devant le trône de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu vois le mal est beaucoup entré. Même dans les familles. Nous ne sommes pas encore morts. Alléluia. Amen. Si papa n'aime pas maman. Si papa n'aime pas maman. Si papa n'aime pas maman. Oui, n'aime pas maman, oui. Et maman pas lingi papa. Et maman n'aime pas papa. Dis-moi comment ces deux personnes peuvent habiter ensemble. Alléluia. Amen. Mais je voudrais vous dire une chose. Coupe-la bien. C'est-à-dire quoi? Mais si, même si une personne te piétine, il n'y a pas moyen que tu bouges, tu es déjà mort. Alléluia! Amen. Même si une personne te fait du mal, il n'y a pas moyen que tu le rendes parce que tu es déjà mort. Tellement problème. Et tellement que nous ne mourrons pas, voilà pourquoi nous avons des problèmes. Voilà pourquoi je dis des fois aux gens. De la même façon tu as commencé à parler. Et c'est pareil aussi que tu vas finir. Je n'ai pas le temps de te répondre. Jusqu'à ce que tu finisses. Alléluia. Amen. Parce que moi je sais que je suis déjà mort. Bien-aimé, est-ce que tu as déjà vu un cadavre? Vois même la personne qui ne t'aime pas. Le jour où elle viendra ton enterrement, elle va baisser la tête. Est-ce qu'on l'a envoyé baisser la tête? Alléluia. Amen. La personne qui te fait du mal, ne lui réponds pas. Mais je te dis, meurs. Et quand tu sentiras mauvais, elle va fuir. Alléluia. Amen. Vous savez, quand un cadavre est là, tu ne peux pas rester avec lui. Un cadavre peut te faire changer de maison. Peut te faire changer de quartier. Ils peuvent te faire changer de pays. La personne qui te fait du mal. Si elle meurt. Et qu'elle pourrit là. Tout endroit où tu vas aller, tu sens une mauvaise odeur. Dans ta maison, tu sens cette odeur. Tu vas changer de quartier, tu vas changer de maison. Alléluia. Amen. Je voudrais parler de l'Esprit de Dieu. Quand nous péchons, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu sort de nous. Tu restes une personne. Ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas, Dieu t'aime. Mais en toi, il n'y a plus l'Esprit de Dieu. Tu restes vide en toi. Alléluia. Amen. Même si tu cries, il n'y a pas moyen que l'Esprit de Dieu fonctionne parce qu'il n'est plus en toi. Mais Dieu est toujours là te protéger. Mais Dieu te demande de revenir à lui. Pour que cet esprit revienne en toi. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes n'ont pas l'esprit de Dieu en eux. Voilà pourquoi ils ne verront pas le trône de Dieu.
Mais commence à penser. La Bible nous dit. Pendant que Jésus-Christ tarde encore. La mort est devant toi. Alléluia. Amen. La Bible nous dit. Il est réservé qu'à une personne de mourir qu'une fois. Alléluia. Amen. Je voudrais répéter. La mort est devant toi. Nous avons deux chemins. Nous avons le chemin qui nous amènera au paradis. Et celle qui nous amènera à l'enfer. Mais c'est le moment de choisir parce que tu es encore vivant. C'est le temps où tu dois entrer dans le trône de Dieu. Pose-toi la question toi-même. Ce corps-là t'envoie à faire quoi? Il t'a déjà fait sortir du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Mais les temps sont mauvais. Dieu a déjà donné son message qu'il revient bientôt. Est-ce que l'Esprit de Dieu est en toi? Il a dit, ce sont les morts qui ressusciteront en premier, ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Cela veut dire que tu dois avoir l'Esprit de Dieu en toi. Il y a des personnes, si elles dorment, elles ne se réveilleront plus. Est-ce que quand tu dors avec l'Esprit de Dieu en toi? Alléluia. À quoi ton corps t'a poussé à faire toute la journée? Est-ce que quand tu es allé dormir, tu es parti dormir avec l'Esprit de Dieu? Mais je voudrais te dire que l'Esprit de Dieu n'est plus là. Alléluia. Amen. Alléluia. Toi qui demandes tout le temps pardon, tu tombes tout le temps. Toi tu tombes toujours. Ton corps tombe toujours. La parole, tu l'entends, mais tu tombes toujours. Mais bien aimé, écoute. Aujourd'hui, je suis venu te dire, fais attention, la mort est devant toi. Pendant que Jésus-Christ tarde, la mort n'attendra pas. La mort, tu marches avec elle. Tu vois tel qu'on marche, nous marchons avec la mort. Mais toi, quand tu es dans la vie de péché, ta vie ne marchera pas. Vous savez, les jeunes aujourd'hui n'ont plus peur. Quand j'ai rencontré le prophète, bienvenu, j'étais jeune, jusqu'à aujourd'hui je suis jeune. Alléluia. Amen. Oh non. Cet enfant-là, tu dois la laisser. Hein? Prophète Alobi, oh non. Prophète, il a dit, sœur, on est fautique. Cette sœur-là, tu dois la laisser. Ah, prophète. Il a dit, oh, prophète. Cette sœur qui est claire de peau, là, comme ça, je dois la laisser. J'étais jeune. J'étais un enfant. Je me suis dit, mais prophète, les choses avec lesquelles il est en train de venir, là, est-ce que ça va marcher? Alléluia. Amen. Si tu veux monter dans la vie, refuse le péché. Alléluia. Amen. Si tu veux que ta vie change, moi je ne parle pas des sorciers parce qu'ils ne sont pas là. Alléluia. Amen. Qu'ils soient là ou pas, ce n'est pas mon problème. Mais moi je sais là où je me tiens. Je sais la personne en qui j'ai cru. Donc le diable n'a pas le moyen de me toucher. Alléluia. Amen. Oh, noko. Oh oncle. Tata moi. Ma tante. Mais où on a commencé avec toi? Ce corps refuse le péché. Alléluia. Amen. Même si je vais dormir. Même si je ne fais même pas 4 minutes pour prier. Je demande le sang de Jésus sur ma vie. Cela veut dire que je marche avec la vie de sanctification. Vous pensez que je vais rester 2 heures du temps à demander le pardon de ce péché?
Tu veux voir le trône de Dieu, arrête le péché. Nous n'avons pas autre chose, arrête le péché. Le péché t'amènera des terrains difficiles. Kobe, j'appelle ça une petite maison qu'on a abandonnée. Alléluia. Amen. Faut que je t'explique bien pour que tu comprennes. Aujourd'hui, je suis venu pour une personne, pas deux. Que la vie d'une personne change. Moi, je marche comme ça. Je marche pour une personne. Je ne marche pas pour 30 personnes. Le jour où on a prophétisé pour moi, j'étais seul. Et le jour où j'ai arrêté la vie, j'étais seul. Mais moi-même, j'ai attiré beaucoup de personnes. C'est-à-dire, voilà pourquoi j'ai besoin d'une personne aujourd'hui. Tu vas changer la vie des gens aujourd'hui. Refuser le péché aujourd'hui. Je devrais te le dire. Le péché a un plaisir. Regardez-moi bien. Le péché a un plaisir. Est-ce que je mens? Quand tu pèches, ça te fait du bien. Je répète, et je vous regarde. Moi, je suis un prophète de Dieu. Et quand je parle, je n'ai pas honte. Je vais t'expliquer le péché. Alléluia. Amen. Le péché a un fort plaisir. Il y a bien. Et ça, il y a bien. Et ça fait du bien, c'est pas ça? Les gens refusent d'accepter. Alléluia. Amen. Même si tu refuses de l'accepter, mais je sais que dans ton cœur, tu sais que c'est mais ça. Mais maintenant, je veux t'expliquer où t'amènera ce plaisir. Il t'amènera des coins difficiles. Commence à regarder ta vie. Et tu te demandes si c'est moi ou pas. Alléluia. Amen. Tu vas te demander, je suis en France ou pas. Ce n'est pas autre chose. Chose, c'est le péché. Si ta vie est bloquée, c'est le péché. Ce n'est pas les choses de Dieu. Dieu t'aime. Voilà pourquoi il t'a retiré de l'Afrique, il t'a ramené ici en France. Et toi, tu n'es pas reconnaissant pour garder l'Esprit de Dieu en toi. Même là, de la façon dont il t'a gardé jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui, il est venu te dire: c'est par toi du péché. Ne dis pas que je suis jeune. Non. Keba. Fais attention, jeune. Le péché, c'est bien. Mais quand il va te faire asseoir dans un coin tout seul, tu vas te dire, mais mon corps là, ce n'est plus mon corps. Alléluia. Amen. Osana, tu seras avec personne. Osayomoko. Tu seras seul. Voire même avec la personne avec laquelle tu es tombé. Elle va te laisser, tu ne seras pas avec elle. Yomoko. Tu vas te retrouver seul. Mais je voudrais te dire une chose. Je te dis aujourd'hui, si tu marches dans le mal, sors du mal. Si une personne vient toujours pour te faire tomber, dis-lui aujourd'hui, arrête. Et c'est fini. C'est fini. Alléluia. Amen. Elle te donnera rien. Elle te ment. Elle va te fuir. Elle va t'abandonner. Parce que quand tu vas rester seul avec ton corps, tu vas souffrir. Et tu seras en dehors du trône de Dieu. Maintenant, mon bien-aimé, choisis. Où es-tu? Et qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Tu vas rester dans le péché? Le cœur est en train de battre. Est-ce que je dois laisser ou pas? J'insiste. Je ne comprends pas, j'ai duré ici. Tika. Laisse. Tika. Laisse. Répéter la lobby, tika. Je répète, laisse. Tika vino ko changer.
Laisse ta vie va changer. Et le jour où moi j'ai laissé, j'ai dit une très belle femme comme ça. Et j'ai dit non. Et j'ai vu les portes s'ouvrir. En quelques secondes. Alléluia. Amen. De fois, je suis mort. Même si vous les mettez ici plusieurs, mais je suis mort. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Si le corps veut seulement aller, je lui dis, reviens ici. Tu vas aller mourir comme un animal. Alléluia. Amen. Amen. Ce corps-là, tu dois parler avec lui. Dis-lui, arrête la bêtise. Arrête les bêtises. Tu vas pleurer seul. Alléluia. Amen. Est-ce qu'une personne entend? Est-ce que ça rentre? J'ai besoin d'une personne aujourd'hui. Pas deux personnes, juste une personne. Je sais qu'une personne aujourd'hui va laisser le péché. Je voudrais vous dire une chose. Depuis que j'ai arrêté ces choses, ça veut dire quoi? Si je dis à Dieu, papa, j'ai besoin de telle chose, il doit me donner. Alléluia. Amen. Même si ça va prendre du temps, ça arrivera. Mais quelle est ma joie? Même si je meurs aujourd'hui, je verrai le trône de Dieu. Même si je pars maintenant, je verrai ce Dieu-là. Est-ce que toi, si tu meurs aujourd'hui, tu verras le trône de Dieu? Alléluia. Amen. Mon ensemble, ça. Aïe. Et tu n'as rien à insister pour mon fatigue. L'Esprit de Dieu me pousse à insister parce qu'une personne doit abandonner. Si vous voulez expliquer le comment quoi. Maintenant, je voudrais expliquer une chose. Au moins, nous sommes à ça le rôle en zété. Tu vois, Dieu est comme un arbre. Au moins, nous sommes zété à l'ibanda wana. Voilà, comme l'arbre est à l'extérieur. Y'a ça, mais si ça. Il est la racine. Et nous nous sommes les branches. Est-ce que ce mon étape a mis katabité na lembi na kitanga ke nokolukanga moko? Est-ce que tu as déjà vu la racine se dire que non, je suis fatigué, que je descende moi-même, que je me détache moi-même? Étape a mis katakate. La branche ne se parce qu'il y a mis racine na yezali. Parce qu'elle sait que sa racine est là. Ce qui vient de la racine, c'est ce qui va faut nourrir les branches. Ce qui va être besoin parce que racine vitamine. Si les branches sont en train de grandir, de pousser, c'est parce que la vitamine vient de la racine. Mais pendant que vous étape. Mais toi, pendant que tu es la branche. Le vent ne manque pas dans la vie d'une personne. Est-ce que le vent pousse comment? N'aie pas peur parce que la racine est là. Les branches peuvent bouger. Mais elle ne fait que pousser. Alléluia. Amen. J'ai dit ta vie peut bouger. Mais tu dois savoir que tu as une bonne racine. Jésus-Christ dans ta vie. Ne te coupe pas seul. C'est le péché qui fait que tu te coupes. Quand tu vas tomber, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as plus de racines. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu souffres. Tu vois là où est ta souffrance. Parce que tu t'es coupé seul. Avec ta source. Alléluia. Amen. Mais vous savez que le souffle de vie que nous avons, on nous l'a prêté. Et mon maître en a besoin. Et il peut aussi le prendre demain. Il peut le prendre aussi après 2 minutes. Après 3 minutes. Où iras-tu? Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu dois l'accepter aujourd'hui. Et te séparer du péché. Amen. Amen. Dieu est capable de te donner ce que tu recherches. Oui.
Ce n'est pas un homme ou une femme qui fera de toi ce que tu veux. Ce n'est pas un homme ou une femme qui fera de toi ce que tu veux. Mais c'est ta source qui fera d'être ce que tu veux. Si ces feuilles, ces branches sont en bonne santé, c'est parce que la source a fait. Mais la source qui est devant toi, elle est une branche comme toi. Et quand c'est mauvais, vous comprendrez une chose. Au moment où nous sommes arrivés, tout devient beau. Alléluia. Amen. Vous ne remarquez pas? Tout est commis bien. Tout est bien. Diable pas profité. Et le diable en profite. Alléluia. Amen. Et les gens commencent à demander beaucoup. Alléluia. Amen. Et nous avons oublié le trône de Dieu. Et nous fuyons vers les choses du monde. Bien aimé, tu risques de rater le trône de Dieu à cause des choses de ce monde. Alléluia. Amen. Tout est beau. Talons. Les talons. Cabello, les mèches, nyonso tout. Tout. Amen. Amen. Mibali batwa ni basora mbongo donc ou salaga makamwa mini. Yo nana. Les hommes veulent seulement avoir beaucoup d'argent pour faire de grandes choses. Qui es-tu? Alléluia. Amen. Surtout si on a côté mon bazo libéré à moi quelque chose. Surtout s'il y a un coin où on donne quelque chose. Yo kendaraba libéré quelque chose. Toi qui vas pour qu'on te donne quelque yo chose. Yo. Écoute que je te dise. Il y a une personne qui donne. Et si tu lui donnes ta vie, il te donnera ce que toi tu recherches. Alléluia. Amen. La personne qui te donne chaque jour, un jour elle te dira non, je n'en ai pas. Mais ta source, elle ne se fatigue jamais pour donner. Alléluia. Amen. Non, je n'ai jamais vu la racine dire que non, je suis fatigué, et descendez vous-même. Même aucun jour. Est-ce que ça entre? Je sais que dans la prédication c'est un peu difficile. Trône. C'est ça le trône. Mais Dieu veut faire une chose aujourd'hui. Dans ta vie. Est-ce que tu acceptes d'arrêter, de stopper? La vie que tu as de la stopper. Écoute bien. Celui qui va stopper aujourd'hui, moi je reviendrai. Mais il témoignera la grandeur de Dieu. Je sais ce que Dieu m'a dit quand je suis rentré ici. Il m'a montré des gens être délivrés. Même quand je parle comme ça, il y a des personnes qui prennent la décision pour abandonner. Amen. Amen. Je voudrais répéter encore une chose. Le corps t'amènera toujours à des mauvais endroits. Vous voyez ce corps? Il veut s'habiller bien. Ne lui donne pas tout. Alléluia. Amen. Ne lui donne pas tout. Dis-lui arrête. Awate. Pas ici. Alléluia. Amen. Awate. Pas ici. C'est-à-dire, si vous avez un copain qui vous a dérangé, ou bien une copine qui vous a dérangé, à partir de là, il faut arrêter. Cela veut dire que si tu as un copain ou une copine qui te dérange, tu lui dis que je vais arrêter. Si tu trouves qu'il peut venir voir les parents. Alléluia. Amen. Comme tu l'as commencé maintenant. Cela veut dire que tu sais que ça se passe. Mais les gens ont besoin de arrêter. Aujourd'hui, Dieu te demande d'arrêter. Alléluia. Amen. Des fois, quand tu pêches, les gens regardent derrière. Est-ce qu'une personne peut le voir? Mais pourquoi tu ne regardes pas là-haut? Regarde là-haut. Et tu verras que là-haut, il y a une personne qui te regarde. Tu verras une personne partir regarder comme ça à gauche. Droite. Regarde aussi là-haut. Pourquoi tu ne regardes pas là-haut? Il y a une personne qui te regarde. Même quand tu rentres, je voudrais te révéler une chose. Vous savez le péché qu'on fait?
Est-ce qu'il y a des caméras ici? Si tu remarques une caméra, elle a la forme de l'œil. Cela veut dire que même si tu rentres dans un endroit sombre, si tu regardes une caméra, elle a la forme d'un œil. Où ils ont pris cette intelligence? C'est pour voir comment le voleur rentre, comment le voleur a envolé pour l'arrêter. Et maintenant toi aussi, quand tu vas aller faire ce péché, même si tu es dans la lumière, tes yeux enregistrent. Cela veut dire le jour du jugement. Ta vraie histoire, ce sont tes yeux. Tu t'enregistres. Voilà pourquoi ce jour-là, Dieu te montrera tout ce que tu as fait. Et tu demanderas d'où ça vient, ce sont tes yeux. Est-ce qu'il y a une personne qui accepte d'abandonner le mal? Et Dieu fera un miracle dans ta vie. Bien-aimé, arrête le mal. Et Dieu veut faire dans ta vie. Impossible, il n'y en a pas. Tout est possible. Mais tu devrais arrêter le mal. Sépare-toi du péché. Tu as une caméra originale. Ce sont tes yeux. Ils voient très bien. Alléluia. Amen. Je sais qu'il y aura peu d'amen, mais je vais prêcher. J'ai besoin d'une personne. Alléluia. Amen. De telles prédications, il n'y a pas beaucoup d'amen. Mais si je commence à prophétiser ici, il y aura des grands amen ici. Alléluia. Amen. Arrête le péché. Tu veux devenir grand dans la vie? Sépare-toi du péché. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui a commencé à prendre la décision comme tel qu'il est assis? Commence à prendre la décision. Il n'y a pas une personne qui viendra pour venir ouvrir. Ça va s'ouvrir de lui-même. Alléluia. Amen. Le péché est difficile pour se séparer de lui. Mais si tu n'as pas pris la décision, ta vie sera stoppée à un seul endroit. Nous voulons entrer dans le service. Le diable te ment. Il ment beaucoup. Il va te faire manquer de voir le trône de Dieu. Alléluia. Amen. La personne qui a déjà détruit la vie d'une autre personne commence à passer et elle va te pointer comme ça, avec la bouche. Tu ne vois pas comment elle est devenue. Alléluia. Amen. C'est une telle personne que tu veux suivre. Elle va détruire ta vie. Alléluia. Amen. Elle ne t'aime pas. Je voudrais qu'une personne se sépare du mal aujourd'hui. Tu n'as pas beaucoup de temps. Nous nous levons là où nous sommes. You are great, yes, you are the one, walked upon the sea, raised at death.